Coucou YouTube, aujourd'hui on va jouer à Guess the Game et j'espère que tu vas aimer. Si t'es pas trop bête et que tu connais l'anglais, ça veut dire devine le jeu. Et si tu connais pas l'anglais, je suis désolé d'avoir été aussi hautain. Bref, vous allez comprendre le but, on a plusieurs images et le but est de deviner quel est le jeu que l'on a en face. Bisous. Du coup, on est parti. 371, on commence. Ouais. Sauf si tu veux faire les plus récents. Il y en a combien des plus récents? Il y en a un là qui est plus... Après moi je trouve ça plus intéressant de faire les plus anciens parce que j'imagine que maintenant il y a que les jeux un peu de niche. Ou les jeux les plus récents. Comment ah, j'ai... Je dirais que c'est, je sais pas, genre un jeu indé ou un jeu Nintendo, mais je pense que c'est un jeu indé. Ah, je suis trop content, ça commence bien. A Short Hike? Non. Ni no Kuni? Le 1 ou le 2? Le 2? Non. Non, c'est pas gris. Je me souviendrai. Non, je peux te dire que ce n'est pas gris. Donne-moi des indices. J'ai des cartes postales pour ce jeu. Crystals, c'est... Non. Non, c'est non. Eastward. Non. Ni l'un ni l'autre. Ah. Au moins, tu sais que c'est un jeu que j'ai. Oui, je le sais. C'est Phare? Non. Bear and Breakfast? Non plus. Oh, je sais pas du tout. C'est Spirit Farer. Et oui. Pourquoi tu l'avais direct, c'est de la classe. Ouais, je suis assez fier, là. Bien joué, bien joué. Ah bah là, je peux pas en dire autant. Ça va être un arbre, un style un peu papercraft. Non, quoique non. Si? Ça me fait un peu penser à The Black Art, mais ça m'étonnerait qu'il soit dedans, c'est un jeu trop indé. Ah ouais, ça a l'air d'être un truc ultra... Ultra de niche, oui, ultra avec de des niche, fleurs. Ouais. Même pas de niche, c'est... 75%. Seul le créateur le connaît. C'est bien évidemment... Summon Knight... Attends, c'est quoi ce nom? Alors allons, je remonte. Crafting... Quoi? Summon Knight, Craft Sword, Monogatari, Hajimari, Noishi. Ça a l'air d'être Mousecraft, en effet. Oh, pas du tout. On va mettre Paper. Oh! Flower Power, c'est ça. Sûr et certain. Ça ouais, pouvait pas l'être. Je savais. C'est très spécial au moins comme ça. Le seul truc que ça me fait un tout petit peu penser, c'est Don't Starve, mais ça s'arrête là. Ouais, ouais. Et on est sûr que c'est pas Don't Starve. Oui, c'est ça, donc... ça nous aide pas beaucoup. C'est bien évidemment Paper Tree, le fameux jeu sorti sur... on Broken Rules. On essaie ce qu'on peut, hein. Paper Beast, Paper Cut Mansion. Ouais, on ne connaît pas. And yet it moves. Oh. C'était le fameux And Yet It Moves, vas-y, attendez ça. Et là, du coup, il y a la flèche. Ah, ça a l'air d'être de l'époque, genre PS3, mais début PS3. The Witcher donc, 2 je pense. Oh, vas-y, tiens, ouais. On n'a pas eu les Witcher, je crois. Un drapeau rouge? La Horde? Ou je sais pas si c'est la Horde ou l'autre. Un petit Warcraft, ça peut être, mais qu'on n'a pas fait. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux Warcraft ou World of Warcraft. Le plus récent. Ouais. Ce qui n'est pas ça. Non. En vrai, avec ce genre de jeu, on s'expose à tous ceux qui vont dire « Mais vous êtes incultes !» Et alors? J'avoue. Eux, est-ce qu'ils l'avaient Dead Space dès la première frame à l'extérieur? Je crois pas, vous êtes des losers. Ou Spiritfarer. Un Baldur's Gate, ça peut. Ah non, non, on avait vu que le 2 il était déjà moche. Ah bah oui. Oh, c'est Chivalry, je crois. Non. BioWare, en plus. Putain, ça peut être connu. Je pensais que c'était Chivalry. On skip? Ouais, allez, je l'ai pas. Moi j'ai pas. Dragon Age Origins. Vous pouvez pas montrer un dragon? Si, c'est le première photo, c'est le dragon moulin. Ça ne dit absolument rien. Bah si, ce sont des ruines. Des ruines et il fait jour. Il y a beaucoup de jeux, je pense, où il y a des ruines et il fait jour. Imagine, tu le one shot. Ah, ça aurait été trop beau. J'imagine que c'est un Final Fantasy. Ouais, c'est par FF, j'allais dire justement. Ça m'étonnerait que ce soit cette remake. Ça va être un truc, tu sais, très spécial. Ghost of a Tale, ça sonne bien, Ghost of a Tale. Ico. Ah, Team Ico. Bah voilà. Ah, j'ai. C'est Inside? Non. C'est l'autre? Oui. Qui s'appelle Limbo. Limbo. Ouais, one shot. Voyons voir les autres images. On aurait dîné. C'est très similaire. Enfin, oui, toi tu aurais dîné, mais j'avoue, j'aurais peut-être pas eu. Ah, pardon, oui. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Qui serait Shantae sur Amiga? Oh. Oh là là. Et quoi sur Amiga? Moi, je sais tellement. C'est pas du tout. J'étais pas né. 91. Mon on dirait un Tower Defense un peu, non? Lemmings. Les Lemmings, en plus, le nom c'est assez connu, mais ça ne me dit rien. Oh, ce serait pas un Spider-Man, ça? C'est pas étonnant du tout. Comment il s'appelle? Il s'appelle juste Spider-Man. Oh. Ou c'est Marvel Spider-Man le premier? Spider-Man, Age of Time. Parce que l'autre c'est Miles Morales, c'est ça? Oh bah pff. C'est quoi? Trop fort. Ouais, bon là ça aurait été facile. Ouais. Layton, on dirait, non? Ah non. Non, je pensais à Loop Hero. Waouh. Il est doué. Il me semble que c'est un personnage comme ça qui fait des tours sur une boucle comme ça. Et toi tu dois ajouter des ennemis, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, lui automatiquement il va les combattre. Je me suis pas beaucoup renseigné sur le jeu, mais ça a l'air intéressant. Ça me dit quelque chose et en même temps rien du tout. Bah ça me dit quelque chose et ça me dit rien. Rayman? Ouais. Pourquoi pas? Tu t'es attaché à Rayman, je crois. L'homme rayon. Ah, je vais pas connaître ça. 360, qu'est-ce que c'est que cette chose? Mm-hmm. What? Je n'aurais pas. C'est moi où il y a un renard gros sein?
Ah oui, c'est un renard nené. Ouais, mais même là, l'interface, ça ne me dit rien du tout. Jamais entendu parler. Ça a pas l'air ouf, hein. Ouais, non, sûr, je. Ouais, je connais pas non plus. Attends. On dirait un peu Wakfu sur les bords, mais bon. Contest, Negentel, mais. What? Bah, en fait, on aurait dit un Wakfu version Wish. Ouais, voilà, c'est ça. Sans on dirait Guitar Hero. Guitar Hero? Ouais, c'est ça. Mais le. Voilà. Voilà. Trop fort. Tu as joué? Non, mais je reconnais. Karina of Time, on essaye, parce qu'on a aucune autre idée. Ok, je suis quasi sûr que ce n'est pas Ocarina of Time. Ouais, non, c'est. Déjà parce qu'ils nous ont dit que c'était pas ça. Ouais. C'est pas Star Fox. Ah, Star Fox espacé. Ah, ok. Oh, purée. Qu'il est doué. Oh, c'était effrayant. Regarde la dernière. Je suis moche. Cool. Un exclu Wii qui ressemble à ça. Metroid Prime. Un jeu Wii qui ressemble à ça. La Wii faisait ce genre de jeu. C'était. Eh, rendez-moi mon Wii Sport. C'est vrai qu'on. Moi j'aurais dit Metroid en regardant que comme ça. Oui, et puis ça, on dirait une bête de Metroid. Ah, j'ai. C'est Fire Emblem? Non. Tu veux que je le mette? Vas-y, mets la première lettre. C'est Xenoblade, du coup. Ouais. Le premier. Sorti en 2010. Putain, ils en ont sorti tant que ça en si peu de temps, en vrai. C'est ce jeu... Oui, 100%. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un Tomb Raider? Avec une arbalète? Je sais pas, mais je connais pas forcément la licence. Hein. Ah, GoldenEye? Peut-être oui. Même pas. Oh, stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pew. Oh non, en pleine tête, comment il a fait pour la toucher? Perfect Dark, bah ça ne me dit rien du tout. C'est Siberia. C'est vrai? Oh, si seulement. Dommage. Je veux qu'on tombe sur un Siberia, c'est un but. Corpse Killer sur Mega CD. Pas du tout, c'était dommage. Myst. Je veux bien essayer. Oh bah, unpacking. Et bah oui. Instantanément, fait ensemble. Qu'est-ce que c'était bien? C'est trop chouette, Ocarina of Time. En vrai, j'aurais mis un Zelda aussi. Non. Ah. Ah, pas du tout. C'est un jeu de gestion, on dirait. Ah, on dirait un truc. Ça a l'air d'être un truc sur les sorciers, de rien, ouais. Ouais. C'est quoi un godlike? Je sais pas. Non, ça me dit rien. C'est peut-être un jeu fait par JDG, mais. What the. Et là, du coup, après, tu les fais battre comme des coqs. Et 2000, tu m'étonnes hein, qu'il y a des gens qui pensaient qu'on allait tous mourir. C'est Animal Crossing Origins. Évidemment. Black and White. Très bien, donc. On va fermer les yeux sur ce jeu. Hein. De toute façon, dès que je vois des feuilles en automne, je suis en mode c'est Life is Strange. On a déjà eu le premier. Pas du tout. The Blue Oyster Club. Tu connais? Ça me dit un truc, je sais pas pourquoi. The Devil's Daughter. Non, putain, j'étais bien trop essayé. Heureux de savoir un truc qui ne l'est pas. Ouais, non, ça va rien me dire. Redfall, non, je n'aurais pas trouvé. Ça ne me dit rien comme jeu. Part dans les années 80. Red Jeep. On dirait un peu, tu sais, les jeux DS où c'est les images en fond pour illustrer. Ça peut-être être un, comment ça s'appelle, Ace Attorney, c'est que dans... Parce que tu sais, ils mettent des images en fond un peu ce... En vrai... Je pense pas que ce soit ça, tu vois, mais... Au moins pour mettre un truc. Oh! C'est Ace Attorney, ok. Tu sais, ils mettent souvent des images en fond, tu sais, un petit peu Phoenix Wright, Ace Attorney, le premier. T'es trop fort. 389, on a un truc qui ressemble à rien. Hein? Un Ratchet? C'est marrant parce que j'y avais pensé tout à l'heure. Non. Security Code, déjà sorti en... Ah Sly Cooper, c'est pas celui-là. Mais je suis sûr que c'était ça, attention. Honor Among Thieves, le 3 peut-être, parce qu'on a déjà ouais, fait les c'est... autres. C'est Band of Thieves. Ils sont chiants, hein. Ouais. Je connais Sly Cooper parce que quand j'avais joué à Ratchet & Clank 3, il y avait une démo de Sly Cooper dans le jeu. Ok. Et tu y avais beaucoup joué? Un petit peu, parce qu'une fois que j'avais fini la zone, je pouvais plus continuer et j'étais un peu deg. Ça a l'air un peu horreur, non? Ouais. Ou Valve. Non, Valve, c'est une société. Okay. Valve, c'est ceux qui font Half-Life, Portal et tout. PS1, on voit pas grand chose, hein, les gars. Ouais, c'est... ils font chier là. Bah, du coup, je l'ai. Si c'est sombre comme ça, c'est peut-être Silent Hill. Bien joué. Tu as joué? Non, mais le fait qu'il y ait la brume et un jeu PS1, ça a l'air vachement récent. Puzzle Shooter. Et là, c'est Valve qui a fait ce jeu. C'est Half-Life Alyx? Alyx, là. Trop fort. Ça, c'est pour toi. Je sais pas pourquoi je sens que c'est. Bah. Ça, moi. Mince. J'aime bien ce genre d'esthétique, mais là ça me dit rien. Ah! Dommage. Peut-être le nom, mais. Risk of Rain 1, t'étais pas loin. Ouais. Oui, ben. Bah, encore un jeu qui. qui ressemble un peu à ce que j'aime bien. Alors, si c'est ça, je suis trop fort. Peggle Knight. Comment c'est écrit? P-E-2-G. Ah, y'a que le 1 et le 2, donc tente le 1. Oh!
Trop fort. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu trop drôle, on y jouera. C'est le but, c'est d'éliminer tous les taquets rouges, là que tu vois, et enfin toutes les boules rouges, et t'as un nombre de boules limité, et il y a un bucket qui passe en dessous, tu sais, comme ça. Mmh. Le but, c'est que avec le nombre de boules que tu as en haut, t'arrives à détruire tous les taquets rouges. Layers of Fear. Attends, j'ai un doute. J'ai une main de ce clavier. Je l'aime pas non plus. Ouais, j'allais dire j'ai un doute, quoique ça me paraît trop facile. T'avais l'air bien sûr de moi. Ouais, j'avais l'air trop sûr de moi, et là d'un coup, au moment où tu as écrit, j'étais en mode, c'est sûr, c'est pas ça. Parlais trop tôt. Hogwarts. Bah, c'est Hogwarts Legacy. C'est marrant parce que j'y avais pensé, et... mais t'avais l'air tellement sûr de. Pardon, c'est ma faute. Oui. On est quel PC? C'est moi, oui, en plus, regarde. Il est sous Wii. Il vient, et là, il voit cet élève. Meurt. Oh putain, j'ai jamais fait ça, je devrais essayer, ça a l'air fun. Attends. Tu peux tuer un élève une fois que t'as. Et c'était quoi la droite? Attends. Bah, à mon avis, t'es recherché, t'as tué quelqu'un. Trop bien. Si ça se trouve, il y a toute une partie de l'histoire qu'on n'a pas vue. Une idée? Non. Oh, c'est Sunshine. Bien joué. Je me souviens de ce niveau. Un jeu dans la glace, en vrai, je connais pas beaucoup de jeux qui se passent. Bah, à part. Par Valhalla. Exactement, ce qu'on l'a déjà trouvé, non? Ouais. Ah, pas que la glace. La glace, merveilleux. Je ne sais pas. Darksiders 2, j'aurais pu trouver, je suis dégueu. Ça a l'air très vieux. Dans une école. Enfin, non, peut-être pas une école. Ou un manoir. Tomb Raider, elle a un manoir, Tomb Raider. Enfin, Lara Croft. Bien joué. C'est le tout premier, ça? C'est le tout premier, ouais. Oh, il fait peur. Ah, oh, je vois quel jeu c'est. On est contre des insectes. Ouais. Attends. Pas du tout. Mais attends, mais on connaît. C'est pas It Takes Two? It Takes Two? Ah, ouais. C'est horrible. Oh non, oui, c'est. Non! C'est Cutie l'éléphant. Ouais, ma voix. Alors. Aurore boréale. Le jeu. Ça me dit rien du tout. Pas du tout. Je l'aurais jamais trouvé. Ouais, moi non plus. On va dire que c'est le dernier, c'est le 400. Ça a l'air ultra vieux. Exactement. Tous les coups, c'est un jeu style Le Roi Lion ou Aladdin. Ninja Turtles, je sais pas le nom. Non, c'est Mario. Mario. Et je crois que ça, c'est. Super Mario Bros. 2. Exact. Non, c'est pas le 2. Pas ça du tout. C'est Kirby. Kirby. C'est, ah, oui, c'est pas un mascasse? Ah oui. Non, c'est un Waddle Dee. Ouais, ça, c'est le feu, je crois. Kirby's Adventure, on finit là-dessus, c'est pas mal. Kirby, Kirby. Et ben c'est pas mal cette session qu'on s'est fait. Oui, bien joué. Je pète et je suis désolé. Au revoir. Au revoir, bonne journée.